Bonjour tout le monde, bienvenue sur Parle Mislan. Pour tout le monde qui monte par bord ici de là pour la première fois, pas oublier de faire ça, de cliquer sur s'abonner et puis de peser cloche là pour capable avoir des informations que nous partager avec vous. Nous venons porter pour vous justement un article qui sortit sur Miami Herald et qui a parlé justement de ministre des Affaires étrangères Edmond Bouchid. En fait, le journaliste a dit que lui-même, il connaît un monde qui a une audace niveau que j'en moyen temps pour Edmond Bouchid, dans la façon que monsieur a défendu Jovenel Moïse. Edmond Bouchid a critiqué. Article qui sortit sous Miami Herald, côté qui expliquait que Jovenel Moïse, eh bien, échoué dans la mission que le te gagné. Il va comprendre que c'est, il exagéré les abdi bagay ça. Bien que l'admette que Gombon bagay président pas fait. Mais, li jete accusation, hein, sous parlement, qui, pour lui-même, pas jamais approuvé sa gouvernement vle. Mais, une bagay que Edmond Bouchid oublié dit, c'est que, c'est parti président Jovenel Moïse qui gagne majorité dans le Parlement. Et fort souvent, le Parlement toujours exécuté. Comment il y a moun li besoin couper tête. Nous connaissons deux premiers ministres couper tête. Rapide, rapide, ils mettent tête ensemble. Ils mettent premier ministre à terre pour lui. Et vous allez comprendre, Edmond Bouchid oublie mentionner tout que Jovenel Moïse avec le Parlement, fort souvent, dans le budget que l'a fait, nous songez ça. Yon nan ba ki te provoke manifestation nan la rizande le budget criminel, budget 2017-2018, kote ke yo te alwe presque tout kop peyi a nan kop pou bay palmante yo pou yo bien brase, alors que nan budget a moun pa jwenn nan rien pou la santé. Yon peyi ki gen 11 million moun, sa montre ki jenn ek sa yo cynique lorsque y a séparé kop nan peyi a, lorsque y a fait allocation de ressources nan peyi a. Ok? Et yon côté que yon mes parti si dans la population qui gen vraiment accès à la santé. Edmond Bouchid, comme toujours, blâme opposition, ou bien classique. Et yon constamment blâme l'autre monde pour ça que yon te supposé fait. Et yon l'autre fois encore dans presse, pour parler qu'il te gen amiral, c'est opposition justement yon blâme ou encore ce système là. Et journaliste a dit, il n'y a pas qu'on est qui ça, pour qui ça Edmond Bouchid, pas souligner le fait que yo pas encouragé la justice dans l'investigation de corruption et violence qu'a mené notamment, nous connaît que Jovenel Moïse admet que il y a 50 juges corrompus qui ont voté. Bah, t'es chargé, bah, ça te fait un bon tollé. Et pas de monde qui pense que ce genre de juge a vraiment fait investigation sur corruption. Journaliste a parlé de, du fait que Jovenel Moïse, quelque part, a fait obstruction avec la justice, notamment dans plusieurs cas. Par exemple, nous connaissons que la Cour supérieure des comptes rend un rapport contre que il joigne lui-même avec l'autre monde dans la corruption. Pourtant, lui-même lui demandé pour une commission internationale refaire évaluation ça. Gagné des cas tout côté que des massacres qui fait dans gouvernement là, c'est des cas qui terribles. Et je ne dis pas, c'est toute couche sociale, tout secteur dans le pays, tout secteur dans la société, avec opposition bien sûr, qui a demandé Jovenel Moïse pour le démissionner. L'église catholique, l'église protestante, produisant, secteur privé, intellectuel, société civile. Artistes, ces derniers groupes qui viennent rejoindre la protestation massive, ça, côté, pas de personne qui voulait dialoguer avec le président. Et donc, chaque jour plus, gagne moun qui a perdu la vie dans le cadre du mouvement de protestation Levé Campé qui gagne dans le pays. Et Edmond Bouchid a essayé de faire une tentative pour montrer que tout bagaille normal dans le pays. C'est deux choses. Et pourtant, donner au montrer que Haïtiens sont fatigués. Ils sont fatigués avec le gouvernement, ça qui n'a jamais été délivré. Mais tout, ils sont fatigués tout avec un ensemble de leaders politiques, bourgeois, qui ne peuvent faire rien pour le pays. Parce que tout leader, c'est voler ou bien voler. Et que eux-mêmes, ils ont demandé un tabou la raza. Et dans le cadre du mouvement, ça, déjà, on dit que il y a à peu près plusieurs mouns. Ok, c'est un mouvement qui a à peu près 15 mois. Depuis la protestation, et
gagné plusieurs monde qui ont perdu la vie dans le cadre mouvement ça. Donc, c'est une crise qui vient aiguë, côté que pas de gaz, pas de manger, l'hôpital a fermé, compagnie a fermé porte, hôtel. Donc, crise la prend dimension, côté que gagne urgence pour que gagne yon parole qui dit parce que population pas qu'à kembe encore. En fait, journaliste a montré que Edmond Boshi justement ignore facteur ça que je ne dis pas. Et c'est pas opposition. C'est très difficile pour moun parler de que son combat qu'a fait entre gouvernement et opposition. Parce que il est clair que c'est tout secteur qui le veut camper. D'ailleurs, étudiant aujourd'hui a appris la rue. Et en fait, yon moun pas ta pensé ça. Ça pidia dans dernier nouvelle. C'est que policier, en fait, ça y est dernier nouvelle. Ça beaucoup j'en fait. C'est que policier dit dimanche tout yon même tout apprend la rue. Yon va le manifester. Yon va parler de mauvais traitement, mauvais conditions de travail qui ont gagné. Bon, on dit que les gens ont honte pour dire que les gens viennent tout puisque c'est policier. Oui. Mais les gens disent qu'ils ne parlent pas puisque ils ne payent pas payé ou bien 15 000 gouttes. Et nous constatons vraiment oui, chaque jour pour pousser gaz devant la population. Et ils ne payent pas payé ou bien dans la guerre. C'est des policiers, ce n'est pas des soldats. Et ils trouvent comme quoi c'est dans la guerre oui, et ils ne payent pas même payé bien. Les policiers disent qu'ils même tout. Ils ne prennent pas la rue pour manifester. Donc, ce n'est pas ce que vous dites qui ça, mes amis. C'est la population en soi. La population en soi, dans son entier, cap mané pour Jovenel Moïse, quitte le pouvoir. Donc voilà. Et votre bon cher, vous connectez avec nous, puisque nous-mêmes, nous là pour nous commenter justement toute actualité cap dominé dans le pays d'Haïti. Donc nous constatons que les médias internationaux, que ce soit à Miami, que ce soit à New York Times, ils ont tout à presser, à faire pression justement sur le pouvoir, parce qu'ils ont montré que Jean Bagayo est pas bon. Donc, qui c'est un facteur justement pour influencer le secteur international là sous le dossier Haïti. Vous êtes branché de connecter avec nous. Portez-nous tout bien.